Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes vendredi 24 avril 2020, demain nous serons samedi, puis après-demain dimanche, c'est le week-end, nous ne travaillerons pas. Alors aujourd'hui je vous emmène dans la maison de la famille Legrand. Alors, je vais partager mon écran. Le voilà. Nous retournons dans la famille Legrand. Et qui nous voyons? La maman Legrand qui vient d'arriver avec son vélo. Elle va rentrer dans la maison. Elle voit papy dans la cuisine, mamie dans le salon avec des fleurs. Elle voit Maggie qui regarde les poissons sur la chaise. Elle voit Alice sur le sofa qui lit avec le chat à côté. Léo, lui, est au premier étage dans sa chambre. Il joue sous le bureau. Et où est papa? Eh bien, il est dans la salle de bain. Il joue, il chante. Alors, après, nous allons aller dans la chambre de Léo qui va nous présenter toutes ses affaires. Je vais donc changer de partage d'écran. Je vais retourner ici. Et nous allons voir. Ouf. Alors, je vais mettre ça un peu plus bas et on va... dans la chambre. Leçon 2. Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre, Activité Léo? Activité 1. Écoute et montre. Allez, on écoute 1. Et on dit après avec. Dans la chambre, il y a des livres. Des livres. Les livres sont sur le lit. Les livres montre sont... le lit. Montre le lit. Le voilà, le lit. Le lit. 2. Dans la chambre, il y a un cartable. Le cartable est sur la chaise. Montre la chaise. Trois. Il y a un coffre marron. Les jouets sont dans le coffre marron. Montre les jouets. 4. Il y a la peinture préférée de Léo. La peinture préférée de Léo est sur le mur. C'est la Tour Eiffel. Montre le mur. Le mur à qui? 5. Il y a une gomme. La gomme est sous le bureau. Montre le bureau. 2. Écoute et réponds. Darzor Léagui. Exemple. Elle est sur le mur. Qu'est-ce que c'est? La peinture préférée de Léo. 1. Elle est sur le bureau. Qu'est-ce que c'est? C'est la trousse de Léo. 2. Ils sont dans le coffre marron. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les jouets de Léo. 3. Elle est sous le bureau. Qu'est-ce que c'est? C'est la gomme de Léo. 4. Il est sur la chaise. Qu'est-ce que c'est? C'est le cartable de Léo. 5. Ils sont sur le lit. Qu'est-ce que c'est?
Ce sont les livres de Léo. Bravo! On s'arrête là. Ensuite, je vais vous montrer une autre petite vidéo. Dans ma chambre, il y a un lit, il y a un lit. Et à côté de ce lit, il y a un bureau. Bureau. Et sur ce bureau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ordinateur. Oui, un ordinateur. Un lit, un bureau, un ordinateur. C'est pas tout. Non, c'est pas tout. Maïège, qu'est-ce qu'il y a? Une table. Un placard et un fauteuil. Une lampe et des rideaux. Un réveil et un vélo. Mais c'est pas tout. Il y a aussi une guitare et un piano. Une guitare, un piano. Des livres et des cahiers. Un tableau de Picasso. C'est un faux. Un tableau de bois. Bien sûr, des jeux vidéo. Bravo, dans ma chambre. Alors, c'était peut-être la chambre de... On pourrait dire peut-être que c'est la chambre de Marie. Et avant de nous quitter, on va écouter la chanson qu'on écoute tous les jours à l'école. Je te dis bonjour, tu me dis bonjour, on se dit bonjour et bonne journée. Bonne journée. Je te dis au revoir. Au revoir. Tu me dis au revoir. On se dit au revoir. Et à bientôt. Et à bientôt. Et bon week-end. Attention, c'est reparti. Je te dis bonjour. Tu me dis bonjour. On se dit bonjour. Et bonne journée. Bonne journée. Je te dis au revoir. Tu me dis au revoir. On se dit au revoir. Et à bientôt. Et voilà. Nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end, de bonnes fêtes pour ceux qui commencent les fêtes du Ramadan. Et cette vidéo, vous pouvez la regarder tous les jours pour apprendre les mots de la maison et de la chambre. Au revoir.